lac d'Esparron. Magnifique. Is pledging future profits from his airline. Il y a des matins plus que d'autres, où le point d'équilibre est ténu entre vivre sûr et au bord des routes, au-dessus des nuages, en apesanteur des contraintes futiles, et replonger dans le rassurant confort sous la couverture grise des rêves. Ces levées où la société disparaît pour ne laisser place qu'au monde ont changé ma vie il y a presque 4 ans maintenant. Et j'ai toujours soif de ces temps suspendus. Les sous-marins ont besoin de refaire surface pour s'affranchir de la pression des profondeurs. Comme je crois, nous avons aussi besoin d'être parfois au-dessus des choses basses. Thank you.
suis en train de faire une petite retenue que je vais placer à la limite du lit pour pas que le matelas bouge. Parce qu'il n'y a rien pour le retenir vraiment. Et quand je conduis, parfois, il bouge vraiment beaucoup. Il pousse les coussins sur la banquette, etc. Je le retrouve à moitié. Si la route a vraiment été très chaotique, je le retrouve à moitié dans le vide. Et donc je vais caler ça sur le rebord pour que le matelas vienne buter dessus pour qu'il ne bouge plus. Faire la peinture et puis après ça va venir faire la finition de la du haut de la couverture de la douche là comme ça et puis ensuite il faudra que je refasse toute cette partie là. Je veux faire des étagères pour ranger les fruits et légumes, pour ranger plein de choses. Je vais faire un peu des courses, où j'ai chopé une bouteille de gaz. Et je vais aller faire les gorges, je pense. Yeah.
En hiver, toutes les aires de camping et les aires de service sont fermées dans la région. Et aujourd'hui, j'ai pas trouvé d'eau, j'en ai fait plein. C'était tout fermé. Et du coup, je suis vraiment à sec en plus au niveau de l'eau là aujourd'hui. Donc je vais pas pouvoir tout remplir avec la source parce qu'il n'y a pas de débit suffisant. Mais je vais me faire quand même 30-40 litres. 3-4 bidons pour faire la soirée. Peut-être une douche demain et puis voilà. Argos, il a fait de la voiture toute la journée, il n'en peut plus. Et là, on est sur la rive gauche des gorges du Verdon. Il n'y a personne. Et malheureusement, en hiver, là, les gorges sont presque à sec. Il y a un peu d'eau, mais franchement, pas suffisamment. Il n'y a pas du tout le volume qu'il devrait y avoir. Alors déjà que l'année dernière, les lacs étaient quasiment à sec. Là, on a un hiver qui est très très mal parti. Donc l'été prochain, ça, à mon avis, ça va être catastrophique. Donc pour ceux qui avaient prévu de venir passer les vacances au lac de Sainte-Croix et dans les gorges l'été prochain, je pense que c'est pas la peine d'y penser. On est vraiment en pente. Et sinon l'option c'est de rester sur le chemin, mais je sais pas s'il y a des gens qui vont venir demain. Et là on dirait pas, mais on est franchement en pente quand même. Je vais aller voir sur le chemin ce qu'il y a derrière. Bon, c'est en pente aussi là-bas, puis il y a une citerne, donc c'est un accès de sécurité pour les pompiers. Même si là en hiver, je pense que ça va pas brûler, c'est très humide, mais du coup, et puis le chemin continue, donc je sais pas qui passe ici ou qui ne passe pas. Je vais essayer, par contre, il y a des gros cailloux, je vais essayer d'aller chercher des cailloux, des grosses pierres, parce que moi j'ai plus qu'une cale qui en plus est cassée. Ces trucs en plastique, c'est de la merde, ça tient pas, ça se casse tout le temps. Je vais chercher des grosses pierres pour monter dessus, pour me faire une vraie cale. Bon, on fera pas mieux aujourd'hui. De toute façon, on va pas rester ici. On va juste passer la nuit. Il y a quelque chose de fascinant et effrayant à la fois à observer l'époque qui est la nôtre. Nous sommes en train de gravir les premières marches de l'escalier qui nous mènera à une société furieuse, où l'eau et les carburants seront aussi rares que convoités, comme dans les science-fiction de mon enfance dans les années 80. Les premières marches.
dans les montagnes comme ça, dans l'arrière-pays, on a du mal à trouver, enfin en tout cas moi hier j'ai cherché du carburant à prix raisonnable. Et c'est un peu comme l'eau, j'ai eu du mal à la trouver, je l'ai trouvé assez cher. Donc ce que je fais en général, c'est que quand je trouve du carburant pas trop cher, je remplis toujours un jerrycan. J'ai toujours un jerrycan en cas de panne déjà. Et puis ensuite aussi, ça me permet, comme en ce moment l'essence est très chère et que ça fluctue, ça me permet quand je suis dans les montagnes comme ça de me ravitailler dans les petites stations. Je prends, hier j'ai pris juste 50 euros. Et je rajoute 5 euros que j'ai dans le jerrycan, que j'ai payé moins cher. Ça permet de niveler un peu vers le bas, de lisser un peu vers le bas le prix du carburant. Et puis la prochaine fois que je vais dans une station où ce sera pas cher, où c'est pas cher, je vais re-remplir le jerrycan. Et ça permet de garder un prix du carburant pas trop cher, enfin raisonnable. C'est les petites astuces que j'ai trouvées pour éviter, quand on est dans l'arrière-pays, dans des coins reculés où l'essence est chère, éviter de payer son essence trop cher. Ça permet un petit peu de rééquilibrer les choses. L'idéal, ce serait d'avoir 20 ou 30 litres en jerrycan, mais c'est du poids supplémentaire aussi dans le van, et puis c'est toute une logistique. Déjà 5-10 litres, ça permet de parer à ces fluctuations importantes suivant les régions. On a bien fait de se mettre ici parce que ce matin il y a un 4x4 qui est passé ici. Je pense que ça doit chasser. Dans le coin. Et nous hier on était garé vraiment ici. C'est beaucoup plus plat mais on est en plein milieu. Donc on a bien fait. In letting your desire show now, we bond the road you can't hold back. And it's plain to see, how can he be? Lead with temptation, come back to me. Beneath the floorboards, where you buried deep down. Me.